De lire, pour certains enfants, l'expression sonne faux, ce serait plutôt un cauchemar. Ils sont victimes de blocage, de dyslexie. Eh bien, un éditeur artisanal a peut-être trouvé une solution. Il propose aux enfants de 8 à 12 ans des ouvrages personnalisés qui respectent un cahier des charges établi par une orthophoniste. Et ça marche. La collection s'appelle « La fée des mots ». Mallory Aounou, Pascal Stelletta. Maîtriser cette jungle qu'est la cour, le quotidien. Mais devenir un héros de la jungle, tout court, ça c'est une surprise. Arriver à l'école dans un paquet cadeau. Un livre de la jungle 200 pages où chaque élève devient le personnage principal, voilà qui capte immédiatement leur attention. C'est beaucoup mieux de lire ça que lire des livres normaux. Petit œuf, on n'est pas dedans. C'est pas du tout pareil. Mieux qu'une BD. L'an dernier, leur enseignante leur avait proposé l'île au trésor sur le même principe. C'est toi qui vis l'aventure, c'est pas quelqu'un d'autre. On avait plus envie de le lire parce qu'on était un peu impatient de ce qu'on allait faire en fait. Moi, je n'ai pas un seul élève de ma classe de l'an dernier qui n'a pas eu envie de terminer son livre. Et ça, c'est pas toujours le cas? C'est loin d'être toujours le cas. Petit miracle, celui de la Fée des mots, une collection d'ouvrages, fruit du travail d'un éditeur artisanal de La Rochelle et d'une orthophoniste. Pour les enfants en difficulté de lecture, elle a cherché une alternative à des ouvrages soit trop ardus, soit trop puérils. Les enfants qui n'aiment pas lire, dès qu'on leur propose un livre avec peu d'images, il y a quand même un rejet. Le nombre de pages aussi est important. Oh là là, c'est trop gros. Donc c'est simplement leur montrer qu'il y a un autre univers avec ce langage écrit, quoi, finalement. Pour cela, réécrire et personnaliser une bonne histoire ne suffit pas. Chaque chapitre est calibré pour maintenir l'attention, le vocabulaire choisi. La mise en page proscrit les césures de mots, différencie les dialogues de la narration. C'est très aéré et ça permet d'avoir un maximum de mots lus à la minute. Pour que le petit cinéma interne s'enclenche, il faut lire facilement et c'est fait pour, quoi. En allant jusqu'au bout, l'enfant même rétif peut associer la lecture au plaisir plutôt qu'à l'effort, reprendre confiance avant d'aller vers d'autres livres. Fin.